Bonjour tout le monde. C'est jeudi, on est parti pour la journée. Allez, c'est parti. Vous allez tout d'abord commencer un travail sur le vocabulaire. On a travaillé sur les familles de mots, on a travaillé sur les préfixes. Il nous reste plus qu'un truc à travailler, c'est les suffixes. Alors préfixe, c'était avant, précédent, le radical. Le suffixe, ça va arriver après, ce serait comme suivant. Donc je vous invite à regarder la petite vidéo que je vous ai mis en lien sur le mail. Et puis après, vous me faites les deux petits exercices. C'est juste pour voir si vous avez compris. Vous allez voir, si vous avez compris les préfixes, vous allez comprendre les suffixes. Ensuite, vous allez passer directement au calcul. Je vous mets 4 calculs à faire. Il y a des multiplications, il y a des divisions. Je vous rappelle que pour les divisions, c'est toujours des divisions avec reste. Et puis vous terminerez les mathématiques en me faisant 2 problèmes du fichier problème. Ensuite, comme d'habitude, vous prenez votre temps de lecture plaisir. Assez drôle, je vous le conseille, plus pour vos parents que pour vous, mais super drôle. Ensuite, vous allez travailler en histoire. On devait commencer à travailler, je vous l'avais dit, avant le confinement, sur la Première Guerre mondiale. On va quand même travailler dessus, même à distance, c'est pas grave, vous allez pouvoir faire plein de choses tout seul. Je vous envoie un lien, parce qu'il y a un petit jeu à faire pour comprendre le tout début de cette Première Guerre mondiale. Je vous montre comment on fait. Vous allez arriver sur le site qui est un jour une actu. Ensuite, vous allez descendre vers le bas comme ça. Et vous avez vu ici, il y a un petit jeu. Il y a une espèce de petit quiz. Donc, il suffira de regarder le quiz. Alors, on va d'abord vous présenter rapidement les grandes lignes de pourquoi la Première Guerre mondiale. Et enfin, très vite, vous allez pouvoir faire le premier quiz. Et c'est, vous vous arrêterez ici. C'est le quiz de la cocotte minute. C'est de bien comprendre quels sont les deux camps qui étaient en opposition. Une fois que vous avez fait ça, vous arrêtez, vous n'allez pas plus loin. On va continuer la semaine prochaine, ainsi de suite. Donc surtout, ne prenez pas trop d'avance. Prenez votre temps, faites-le bien, écoutez bien, retenez des choses. On va remplir des leçons ensemble. Et puis après, vous terminez par votre défi numéro 12 d'art visuel. Et il aura pour thème poilu. Poilu comme qui? Comme quoi? À vous de me le dire. On se voit demain. Allez, salut.